Ce projet, c'est le projet du siècle. Et vous savez pourquoi? Parce que personne avant nous n'y a pensé. Et je vais vous démontrer aujourd'hui très facilement comment vous avez tout à y gagner. Bon, je vais vous expliquer. Si on analyse la concurrence, on constate que 67% des entreprises n'y ont pas pensé. Ce qui veut dire que les attributs de notre projet est un avantage concurrentiel. Et ce qui nous permet d'augmenter de plus de notre part de marché. Et ce qui nous permet d'être plus rentable et d'avoir plus de marge. Marge de manœuvre. Marge de manœuvre, sans le S peut-être. Bien sûr, non mais le S c'est pour section, hein, évidemment. Messieurs, je vous rassure, c'était juste une petite introduction que ma collègue vous a faite. L'essentiel du projet va vous être présenté dans une salle à côté. Nous n'avons plus beaucoup de temps à vous consacrer. Nous avions convenu d'une heure, vous en êtes déjà une demi-heure et vous n'en êtes qu'à l'introduction. Une demi-heure, c'est largement suffisant. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et votre compréhension. Laissez-moi vous résumer le projet. C'est très simple, il se résume en trois axes de développement. Ni plus, ni moins. Ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir définir un axe entre 17 et 20% la première année. Laissez-moi maintenant vous présenter les graphismes qui vont nous permettre de pouvoir positionner une croissance à la fois en France mais à l'international. Et peut-on avoir plus de précisions sur ce point, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vais faire appel à mon collaborateur à Bordeaux, qui va pouvoir vous apporter les informations nécessaires. Bonjour à tous. En fait, on va travailler sur un... Ah, là, chouette. Tu m'as complètement zappé. Je te rappelle que c'est moi qui te vais faire cette présentation. Ça fait 2 semaines que je travaille dessus. J'ai travaillé comme une malade sur ce projet. Et toi, là, t'arrives avec ton écran, là, toute la journée. Je savais que t'aimais te la raconter, mais alors là, franchement... Oh, tu m'écoutes quand je te parle? Ah, ça te fait sourire en plus?